Que l'Église dise Amen à haute voix. Ouvre ta Bible dans Lévitique 11. Verset 41. On y va. 1, 2, 3. Vous aurez en abomination tout reptile qui rampe sur la terre. On n'en mangera point. 42. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre, de tout ce qui se traîne sur le ventre. Encore. De tout ce qui se traîne sur le ventre. Encore. De tout ce qui se traîne sur le ventre. Continue. Ni de tout ce qui marche sur quatre pieds ou sur un grand nombre de pieds, car vous les aurez en abomination. Amen. Amen. Le Seigneur donne ordre aux choses que le peuple qu'il leur recommande de manger en termes de légumes, de volailles, des animaux et des reptiles. Il a donné la catégorie, il a bien spécifié quelle volaille pour son peuple, quels animaux pour son peuple, quel type de légumes pour son peuple. Même parmi les animaux, il y a des animaux que le peuple ne pouvait pas manger. Certains, jusqu'à aujourd'hui, ils ne les mangent pas chez les Juifs. Il y a même des poissons que le peuple mange, il y a une autre catégorie qui ne mange pas jusqu'à aujourd'hui. Depuis que Dieu avait maudit les serpents, qui avaient des pieds, de jambes et de mains, il était plus proche de l'être humain. Depuis que Dieu l'a maudit, il lui avait arraché les mains et les pieds. Il est tombé sur son ventre. Même la race des serpents, des reptiles, des crocodiles, des lézards. Et Dieu a donné l'ordre dans Lévitique. Il dit, ce genre de reptile, vous n'en mangerez pas. Dans le monde spirituel, tout ce qui rampe a une caractéristique spirituelle extrêmement dangereuse. Ce qui rampe peut te prendre en surprise. Ce qui rampe, tu peux rester avec. Dans le cas d'un serpent, il peut rester avec toi à la maison sans que tu saches qu'il est là. Il peut être caché quelque part dans un coin. Comme notre sœur, l'une de vous ici, qui avait un problème, ne faisait que de fausses couches. Mais chaque fois qu'elle dormait la nuit, elle voyait les serpents qui venaient coucher avec elle, entre elle et son mari. Et dès qu'elle tombe enceinte, c'est moi, et elle va avorter. C'est en venant ici, je parlais de la loi des choses rampantes comme je parle aujourd'hui. Elle est rentrée pour se soulager dans la toilette. Elle a vu un serpent courir. Elle a fui. Elle est venue appeler les gens dehors. Il dit, venez. Les gens viennent. Ils cherchent. Parce que c'est la chose rampante. Elle a la capacité de bien se cacher. Tout le monde est parti. La sœur a senti l'atmosphère bizarre à la maison. Maintenant, les serpents voulaient sortir. Ils se sont croisés nez à nez avec la sœur. La sœur a crié et les gens sont revenus. Il a dit, je l'ai vu passer par là. On était obligé de casser les murs. On l'a retrouvé dans les murs. On l'a tué
en ouvrant son ventre, on a retrouvé les slips de la sœur dans le ventre du serpent. Donc c'est ce qui faisait que la sœur avait des problèmes de règles douloureuses impossibles. On sort les slips, on tue le serpent, on le brûle. Le même mois, la sœur tombe enceinte pour aller accoucher plus tard. Les choses rampantes le sont physiquement et spirituellement. Ça peut être un complot larvé contre toi. Quelque chose de caché. Tu entends même les gens te dire, ah, ce qu'on prépare contre toi n'est pas bon. J'étais quelque part, on racontait des choses sur toi, il y avait une réunion familiale, mais les gens parlaient de toi, quand on citait ton nom, ce que j'ai appris n'est pas bon. Ça fait partie des choses spirituelles rampantes. Si tu ne les combats pas à temps, quelque chose t'arrivera. Ça peut être des choses de longue durée. Malgré les prières, il n'y a pas de changement. Mais tu ressens que tu es attaqué dans un ou plusieurs domaines. C'est un serpent ou plusieurs qui rampent autour de toi. Tu as des sensations bizarres. Tu vois dans les rêves des choses bizarres. Mais malgré ça, tes prières n'arrivent pas à mener à bout pour en découdre une fois pour toutes. Les choses rampantes sont les choses cachées dont nous ressentons des menaces, mais on ne sait pas identifier exactement ce qui se passe. Toute histoire dangereuse, longue, qui traîne, qui revient à répétition, qui te donne de la chair de poule. Quand tu es seul, tu as des tremblements et des frissons. On dirait qu'il y a une présence quelque part à la maison, mais que tu n'arrives pas à expliquer. C'est les choses rampantes. Et le Seigneur dit, tout ce qui rampe avec le ventre, tout ce qui rampe avec le ventre. Quand je me suis approché là-bas, une dame, un démon a parlé dans sa bouche. Il dit, tu as tué un boa. Tu as tué un boa aujourd'hui. Mutombo, tu as tué un boa. Oui, c'est la chose rampante qui doit être détruite et tuée. Maintenant, tu lèves les mains. Cette histoire n'épargne personne. Ni l'ancienneté dans l'église, ni la maîtrise des versets. C'est un domaine spirituel complexe. Il y a des prédicateurs qui sont dedans, qui ont du mal des années et des années. Une chose rampe. Tu sens des manifestations bizarres. Même dans les songes, tu as des signaux clairs qu'il y a quelque chose qui t'attaque. Mais tu ne sais pas l'identifier. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Concentre-toi. La chose rampante cachée qui te ronge, qui te ronge, qui te ronge, qui te ronge, qui te ronge. Écoute-moi, je l'ordonne de sortir de ton corps. Allez, sors. Entends ma voix. Sors. Vipère. Boa. Quelle que soit la sorte du serpent, dans la colonne vertébrale, dans les bas-ventres des femmes ou des hommes, je vous lis, je vous brûle
par le feu de l'onction. Sortez des corps. Sortez des corps. Sortez des parties des corps. Allez dehors. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Ils sortent. Thank you.
quand tu me prendras dans tes bras, éternellement je serai avec toi.